Bonjour tout le monde, bienvenue sous Palmi Sakma pour la Kaye. Je dis à nous venir parler et de yon sandarele yon révolution dans cause métaverse. Bon, pas oublier cause métaverse ça son bagay qui fait paraître, n'a parlé de virtuelle réalité et gon bon bagay qui a parlé le fait qu'on a acheté terre virtuelle et autres Facebook. Pas oublier que Facebook c'est yon nan premier monde. En fait, c'est yon nan moun métaverse pas pour lui seulement non. Je dis à ça ne parle pas ya. Si yon bagay souvent dans la culture haïtienne, yon kon parle de li, c'est possibilité pour parler avec mort, pour interagir avec grand papa, qui sa li. C'est yon compagnie qui nan domaine metaverse, eh bien, sa li vin offri la, li vin offri sanitarele immortalité à travers sanitarele. Live Forever Mode. Nous parlons de détails pour comprendre bien. Compagnie ça, non, c'est Somnium Space. Somnium Space. L'a développé en façon pour capable converser avec mon ou dans la vie, au grand rapport, ça a calé déjà, pour capable parler avec vous, même lorsque vous finissez mourir. Qui ça s'est demandé? Et vous pensez que ça a demandé tout simplement. Yon quantité colossale de données personnelles pour yon collecter sous moun. Ça nous relè data. Ok? Et moun qui vini avec idée ça, c'est un certain Arthur Saikov. Et ça a 5 années de ça, papa li te diagnostiqué en forme de cancer. Et yon te dit, papa li te yon ou bien des années pour vivre, que de toutes les façons, pour mourir, il va être en pile temps. Et nouvelle là mon papa monsieur était en fait de Saikov dévasté l'empile ça frappé et le fait que le connaît papa là pour un petit bout de temps et Timonio était tout petit à peine un an l'autre a gagné 2 ans ça te fait monsieur la peine pour penser que Timonio pas capable garder mémoire de grand papa et c'est à ce moment là que monsieur t'as cherché qui ça t'es capable de faire pour que Timonio t'es capable d'entrer toujours en conversation avec en interaction avec grand-papa yo, même lorsque grand-papa yo t'a vu mourir. Donc Saikov qui c'est CEO de compagnie ça qui nous les Somnium Space ou capable taper les Somnium Space et il vient avec un type de métaverse on avait dit une réalité virtuelle et contrairement avec l'autre réalité virtuelle que nous avons entendu parler, lui-même, par là, il est compatible avec headset. C'est-à-dire les virtual reality headset qui permettent qu'on voit des images en 3 dimensions, expérience. Et donc, là, mon papa, monsieur Servi, il a une inspiration pour l'idée ça. L'idée ça, que lui, il est live forever. Et qui va le permettre que, tenez bien, ou collecter tout mouvement, voix mon an, conversation li, empreinte li, tout bagali. En d'autres termes, on pral reproduit, dupliquer. Un avatar qui justement a fait tout sa mon an qu'on fait. Ok? Ça veut dire même, en d'autres termes, c'est yon, on dit yon dupliquer, son photocopie, voilà le mot. On photocopie de mon an dans toute conversation sans voix li, j'en parle et autres. Il a collecté dans database. Donc, ça qui pourrait le permettre que, eh bien, petit, moun ça, capable d'entrer dans le système, là, et puis effectivement, la besoin de moun, nan, gens qu'on parle à gens liés, son reproduction de moun. Nan. Donc, littéralement, je dis, si moi mouri, moi-même là, moi j'ai toutes données ça à collecter, moun, ainsi que petit, moi, j'ai venu dans le système et virtual réalité ça, et entrer en conversation avec Sandra Léon, avatar de moi. Mouvement, voix, mais autres. Donc, il y a rencontré et qu'effectivement, la paraît, en fait, dans Sandra Léon, intelligence artificielle, comme si c'était moi-même. Donc, c'est un véritable potentiel innovation que nous avons parlé dans le monde métaverse, là, ok? Et. Donc, là, il y a parlé de metaverse, en plus, moun parle seulement de vendre NFT, vendre brand. Donc, on est, moun ka parle de vendre terrain, vendre brand, et autant plus le business commence à entrer là-dedans. C'est pas ça seulement, il est beaucoup plus profond.
Et donc, toutes données, ça, yo, technologie, yo, ça paraît un genre mystique, magique. Quantité de données que vous êtes capable de collecter sur le monde, c'est vraiment phénoménal. J'ai expliqué là, et droit aux bouche aux yeux, tout corps, tout petit détail, avec précision, vous êtes capable de collecter. Et recherche qui fait dans le domaine ça, backup, effectivement, ça cap dit là. Et donc, ils sont capables de montrer que depuis 2000, il y a des recherches qui fait que ça. Ils dit dans à peu près 5 minutes, ils sont capables de traquer tout type de mouvement qu'on gagne à travers virtual reality. Ils sont capables d'identifier à près de 95% tout type de mouvement qui sortit de vous-même. Et maintenant, Fondoukos et Somnium, li en partenariat avec Tesla Soud, une compagnie qui a une relation avec Elon Musk, qui a développé un full body haptique Soud pour VR, qui pourrait permettre que les gens qui mettent des vêtements ça aient recevoir un électrical signal qui est comparable avec touch, comme si son monde a touché. Donc, ce n'est pas la tête chargée qui a parlé là. Et données ça va permettre aux collecter qui gens en parler. Et donc, on ensemble de bagages. Toutes données ça pour le travail ensemble pour créer un miroir immortel de monde. Et ils ont même dit que artificielle intelligence capable de prévoir qui Jean monde ça va évoluer dans le futur, qui vient bah une meilleure version de monde ça. OK? So basically ça va parler là, c'est vraiment possibilité pour que même lorsque nous allons maintenant on véritable exemplaire de nous. Maintenant question, est-ce que c'est nous? Ça sont l'autre point d'interrogation. Puisque laissez-moi dire Elon Musk, bah bien que nous ayons un partenariat avec elle, là, le plus loin, mais ça le dit. Il dit que de toutes les façons, il n'est pas capable, dans un futur proche, de download brain, nous, cerveau, nous, dans un robot. OK? Et, un bagage pour lui-même qui est phénoménal, il dit par exemple, et il dit éventuellement, ça va permettre que nous vivre éternellement lorsque nous download brain et cerveau nous non robot il dit penser le possible et donc il dit que nous capable download ça qui fait nous unique ça qui fait que nous essence nous que nous complètement différents de l'autre monde et bon il avoue que si de préférence ou pas encore ça et l'hyperal différent mais ça nous il parle de préserver et mémoire nos personnalités nous Elon Musk pensait que n'a pas fait ça et il pensait que technologie ça graduellement gain pour évoluer dans forme que le gain qu'on est là et mémoire nous qui pourra enregistrer stocker et dans un système avec images et vidéos et qui pourra amplifier habilité pour nous communiquer et permettre que nous fassions des choses que nous sommes capables de considérer qui magie. OK? Et concept prolonger la vie. Attendez bien, Goban a parlé là, prolonger la vie par download consciousness, nous, non synthétique body, non body, non corps synthétique. Et bah, vous allez toujours parler, il y a un peu de monde qui pense que c'est science-fiction, il y a des movies qui fait depuis 1974, justement, quand il a parlé de bagarre ça. Et experts pensent que download et cerveau, nous, technologiquement, sont bagarre qui faisables un jour. OK? Et en 2019, dans Wall Street Journal, il y a Michael qui était sorti avec un essai en psychologie neurosciences. Et il dit que mind nous capable upload, ça a demandé deux pièce technologie, yon artificielle intelligence brain et yon scan des personnes pour capable mesurer exactement qui j'en ai on yon connecté ensemble avec l'autre pour capable copier pattern dans artificielle intelligence. Bon, ça c'est gros cause qu'a parlé là. Mais dans la grande question, ça va poser une question, qui est-ce nous yé? Qui est-ce moi yé? Et ça c'est gros débat. Qui moun moi yé? Est-ce que c'est moi c'est cerveau seulement? C'est la question que nous sommes capables de poser jour et jour. Est-ce que moi c'est cerveau? Autrement dit, couper tête moi, en date de faire fonctionner ou le mettre dans l'autre corps, est-ce que c'est moi? Ça, c'est des grandes questions à poser. Qui ça mieux? Est-ce que moi-même, c'est pas tout moi?
Est-ce que c'est ça me dit pas là? Est-ce que moi exister sans corps moi? Alors là, il vient philosophique. Est-ce que moi exister sans corps? Donc c'est gros débat qu'a fait. Et femme du négoire Elon Musk là, yo, en plus le monde respecté puisque lui vraiment gagne des projets futuristes. Tout projet monsieur c'est des projets futuristes. Ouais, c'est monsieur qui dit là, il commence à faire ça dans les touristes dans l'espace. Nous autres semaine là, gagne des monde qui paye qu'a fait touristes dans l'espace. Et monsieur ça le dit là, il dit pas ça va prendre pile temps non. Même genre ou qu'on paye billet d'avion pour aller à Hawaii très bientôt. Comme vous pourrez tout avoir payé, même on va faire touriste dans la lune, aller venir tourner. Vous comprenez ça? Et nous ne pouvons pas sous-estimer l'influence et l'administration de la GENCOB et souvent pile gros projet. Donc, mais ça va parler là, maintenant, je vous là, c'est des points d'interrogation par rapport à tout ça. Les philosophiques et pas nécessairement une réponse. Vous comprenez? La grande question à savoir, est-ce que lorsque le down, le cerveau, nous mettez le nom, l'autre bagaille, est-ce que c'est à nous toujours? L'on dit, ou même, est-ce qu'on peut exister sans corps? C'est des questions. Donc, en tout cas, sans façon de vous dire ça, la science, il ne va pas avancer, et ça nous est la vie éternelle là, et en plus là, d'ailleurs, penser que c'est faisable, et il n'y a pas avancé dans ce sens-là. En tout cas, moi, je n'ai pas de problème avec ça, et pour que, et même l'état avatar, moi, j'étais quelque part, pour dans ce sens que, petit moi yo capable connait qui est moi t'ai vraiment vrai peut-être transmettre des messages et autres. Donc c'est des avancées qui assez intéressant et qui ba nous impression que nous capable finalement résoudre et des mystères de la vie et mais il n'est que d'attendre. OK, il n'est que d'attendre et il y a un pile point d'interrogation qui capable poser sur ça. Donc voilà guys, nous-mêmes nous t'ai juste voulu partager info ça yo avec vous. C'était un véritable plaisir.